Le secrétaire général de la FIFA, Jérôme Valk, a été relevé de ses fonctions ce jeudi. Annonce de la Fédération internationale de football qui a demandé à ce qu'une enquête officielle soit menée par la commission d'éthique de l'organisation après avoir pris connaissance d'une série d'allégations. Des soupçons pèsent sur le Français en poste depuis 2007 à la suite du scandale de corruption qui secoue la FIFA depuis des mois. Un scandale qui a entraîné l'inculpation de 14 personnes par la justice new-yorkaise, 9 membres de la fédération, tous d'Amérique du Sud ou centrale, et 5 hommes d'affaires dans le secteur du marketing sportif. Le bras droit de Sepp Blatter pourrait aussi être impliqué dans une affaire de revente de milliers de places au marché noir lors du dernier mondial au Brésil. La FIFA devra élire un nouveau président à la tête de l'organisation le 26 février prochain.